Lilith, on a un problème. Vous n'arrivez toujours pas à calibrer la matrice de visée? Ces tourelles de défense ne servent à rien si on n'arrive pas à régler ça. Désolé, artilleur. Le plus important reste de réactiver nos systèmes de transmission. Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne qu'on ne m'ait pas fait porter le chapeau pour ça aussi. Les gens d'ici ne font pas confiance à l'Alliance. Ça n'a rien de personnel. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde au refuge ! Vite ! Je vous couvre ! Courez ! Préparez ces humains à leur prochaine ascension. Mordin, vous êtes sûr que ces modes d'armure nous protégeront des drones? Impossible de s'avancer. Face à une opposition restreinte, ils devraient brouiller leur détection. En théorie. En théorie? C'est prometteur. Ce n'est qu'un prototype. À évaluer en situation de combat réel, je dois les tester moi-même. Stimulant.
vaisseau récolteur perturbe les transmissions. On est livrés à nous-mêmes. Ressemble aux zombies dont les Geth se servaient sur Eden Prime. Je croyais que les Geth tenaient cette technologie de Sovereign. L'homme trouble avait raison. Les récolteurs sont de mèche avec les moissonneurs. C'est quoi ce truc? Les zombies présentent des caractéristiques humaines. Des colons reconfigurés? Impossible. Les Geth empalent leurs victimes sur des pics mécanisés pour les transformer en zombies. J'en ai vu aucune. Les zombies sont venus avec les récolteurs. Ils veulent les colons vivants pour une toute autre raison. Ces créatures sont différentes de celles que j'ai combattues sur Eden Prime. Elles sont plus évoluées. Elles ne sont pas à l'épreuve des balles, heureusement. Les récolteurs doivent mener des expériences sur les colons. Qu'est-ce qu'ils cherchent? À la limite, je préférerais ne pas savoir. Nous le saurons bien assez tôt, je le crains. Les récolteurs paieront pour ça. Allons-nous-en d'ici. Allons-y. Tous ces bâtiments vides, c'est dérangeant. Aucun signe de résistance. Ça a dû être rapide. Lucides, pleinement conscientes, plongées en stase. Fascinant. Ils sont dans cet état depuis un bout de temps. Commandement. Prise de contrôle.
vous allez apprendre ce qu'est la douleur, Shepard. Mes attaques vous détruiront. Avons-nous du contrôle de cette enveloppe. Contact. Sortez de là immédiatement. Vous êtes... humains ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez les attirer sur nous ? Vous avez dû les entendre qui essayaient d'entrer. De toute évidence, ce n'est pas facile d'échapper aux récolteurs. Ce sont des récolteurs, ces monstres ! Vous voulez dire que c'est pas une légende ? Je croyais que c'était des histoires. Vous savez, de la propagande ! Pour qu'on quitte pas l'espace de l'Alliance. Non ! Ils ont eu l'élite ! Je les ai vu l'emmener ! Sten aussi ! Ils ont emmené quasiment tout le monde ! Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Delan ! Je suis mécano ! J'étais descendu vérifier la grille principale après le blackout des transmissions. Et c'est là que ça a commencé à crier ! J'ai regardé dehors ! Et il y avait des nuées d'insectes! Dès que quelqu'un se faisait toucher, il tombait raide! Je me suis enfermé à double tour! Bon sang! Tout ça, c'est de la faute de l'Alliance! C'est à cause de cette tourelle et de cet artilleur Williams! Sans quoi on n'aurait jamais été pris pour cible! Parlez-moi de cet officier de l'Alliance. L'artilleur Williams? Paraît que c'est une sorte de héros, je sais pas quoi. Moi, ça me fait ni chaud ni froid! Elle aurait mieux fait de rester dans l'espace consignien. Vous avez une idée de ce qu'elle faisait sur Horizon ? Elle était censée nous aider à activer les tourelles de défense ! Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était là pour autre chose. Pour nous espionner, peut-être ? Parlez-moi des tourelles défensives de la colonie. Cadeau de l'Alliance ! Laser gardien ultra puissant ! Il devait empêcher les vaisseaux ennemis d'atterrir près de la colonie. Il a fallu construire un énorme générateur souterrain dédié. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu activer le système d'alignement. Bref, l'Alliance nous a refilé un canon géant qui arrive pas à tirer droit. Non mais quels abrutis, hein, franchement. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute de l'Alliance? On est qu'une petite colonie. Personne ne venait nous emmerder jusqu'à ce qu'on installe ces saloperies de tourelles. Moi, c'est pour plus avoir l'Alliance sur le dos que j'ai quitté l'espace concilien. Les récolteurs ciblent des colonies isolées. L'Alliance essayait de vous aider. J'ai pas besoin de son aide. Y a trop de petits caractères dans le contrat. Cet officier, là, elle avait dit qu'elle venait juste superviser l'activation des tourelles. Mais je vous fiche mon billet qu'il y a autre chose là-dessous. Si vous avez des défenses, on peut s'en servir contre le vaisseau récolteur. À condition d'arriver à calibrer le système d'alignement. Ben, ça n'a jamais marché. Problème simple à résoudre, il nous faut juste l'emplacement. Allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie. Vous risquez pas de le manquer. Les commandes de visée sont à la base.
Le mieux, c'est encore que vous vous fassiez discret. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Vous sortez si vous voulez, mais je verrouille la porte derrière vous. J'ai pas envie d'y rester, moi. Eh, bonne chance. Il va vous en falloir. Arrêtez, Shepard. Nous sommes nourris. Inutile de résister. Ignorez les Mossad. Si je dois vous tailler en pièces, Shepard, je n'hésiterai pas. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur. Ça va faire un joli coup de joie. Les forces cosmiques sont à mon pouvoir. Mes attaques vous détruiront. Vous n'avez fait que repousser. Inévitable. Je déteste l'odeur de la chair brûlée. De chance, on dirait. Étrange qu'on n'ait pas croisé d'autres colons paralysés. Colons montés à bord du vaisseau. Récolteur paré à appareiller. Il faut faire vite. Normandie, vous me recevez? Ici Joker. Le signal est faible, mais on vous reçoit, commandant. Idéa, tu peux activer les tourelles défensives de la colonie? Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier, mais il va falloir du temps pour que les tourelles atteignent leur puissance maximale. Je recommande une posture défensive. Je ne serai pas en mesure de dissimuler la surconsommation énergétique. Les récolteurs vont vouloir nous arrêter par la force. T'as d'autres infos à nous donner? Une seule. Des renforts ennemis s'approchent. Je vous conseille de vous tenir prêts à tirer. Intervention directe nécessaire. Notre puissance est inégalée. Inutile de résister.
nous le soutien au cœur. Arrêtez, Shepard. Ennemi repéré. Contrôle de la sécurité, tentative d'activation du système d'urgence. Tenez la tourelle de défense. Pour des renforts. Tiens, mange ça. Réacheminement énergétique en cours. Batterie anti-vaisseau gardien à 40%. Des renforts. Attends. C'est plié. Continuez. Prise de contrôle de cette enveloppe. Ils vont revenir dans leur arrière. Batterie anti-vaisseau gardien à 60%. Synchronisez votre routine de ciblage au système du Normandie. Continuez à protéger la tourelle. Préparez-vous, ce n'est sûrement pas terminé. Idea, réactive ce système vite. Bonnet, c'est la question que je m'approche. Opérationnel à 100%. À moi de jouer. Je ne peux pas bouger. Rien faire, ils sont partis. Il y a la moitié de la colonie là-dedans. Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith. Faites quelque chose. Je voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà énorme, Shepard. Shepard ? Attendez, je connais ce nom. Bien sûr que je me souviens de vous. Vous êtes je sais pas quel grand héros de l'Alliance.
Commandant Shepard, capitaine du Normandie, le premier spectre humain, le sauveur de la citadelle. Vous êtes en présence d'un dieu, Delan, qui revient d'entre les morts. Avec tous les gars bien qu'on a perdus, c'est vous qui restez ? Dommage. Allez vous faire voir. Moi, à l'Alliance, j'ai assez donné. Je vous croyais mort, commandant. Nous le pensions tous. Ça faisait longtemps, Ash. Qu'est-ce que vous devenez ? C'est tout ? Vous vous repointez 2 ans après en faisant comme si de rien n'était ? Je vous aurais suivi n'importe où, commandant. Quand je vous ai cru mort, vous étiez plus que notre commandant. Pourquoi vous n'avez pas essayé de me contacter ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez vivant ? J'ai été hors jeu pendant 2 ans. Vous, vous avez tourné la page, continué votre carrière et votre vie. À quoi bon rouvrir de vieilles blessures ? Oui, j'ai tourné la page. Et voilà que vous revenez remuer le couteau dans la plaie. Le tout avec des rapports comme quoi vous bosseriez pour Cerberus. Des rapports ? Quoi ? Vous étiez déjà au courant ? Les services secrets de l'Alliance pensaient que Cerberus était lié à la disparition des colonies. On a eu un tuyau comme quoi la prochaine sur la liste, c'était celle-ci. J'en ai référé à Anderson, mais il n'a rien voulu me dire. Des rumeurs disaient que vous n'étiez pas mort. Pire, que vous étiez passé à l'ennemi. Nos colonies disparaissent. L'Alliance leur a tourné le dos. Il n'y a que Cerberus qui soit disposé à agir. Connerie ! Je sais de quoi Cerberus est capable. Les humains d'abord, soit, mais à quel prix ? La rumeur courait que vous étiez en vie, et je ne demandais qu'à y croire. Mais jamais je n'aurais cru ça de vous. Vous avez tourné le dos à toutes nos valeurs. Ash, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai pas ça sans une bonne raison. Vous l'avez vu de vos propres yeux, les récolteurs ciblent des colonies humaines. Et ils sont de mèche avec les moissonneurs. J'aimerais vous croire, Shepard, mais je ne fais pas confiance à Cerberus, et ça m'inquiète que vous si. Vous avez pensé que les récolteurs pourraient être de mèche, non pas avec les moissonneurs, mais avec Cerberus ? Bon sang, Williams. Vous êtes tellement remonté contre Cerberus que vous refusez de voir le vrai ennemi en face. Vous laissez votre ressentiment prendre le pas sur les faits. Ou bien peut-être que vous avez l'impression de devoir quelque chose à Cerberus parce qu'ils vous ont ramené à la vie ? Peut-être que c'est vous qui êtes biaisé. Peu importe. Moi, je suis resté fidèle à mon serment. Je suis soldat de l'Alliance, j'ai ça dans le sang. Je vais en référer à la Citadelle. Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non. Ash, quelqu'un comme vous me sera utile dans mon équipe. Ce sera comme au bon vieux temps. Sûrement pas. Vous savez ce que je pense des aliens, mais Cerberus a une réputation extrémiste. Je ne bosserai jamais pour un groupe comme ça. À plus, commandant. Bonne chance. Joker, envoyez la navette nous évacuer. J'en ai assez de cette colonie. Shepard, c'était du beau travail. Les récolteurs y réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer une autre colonie. C'est tout sauf une victoire. On n'a pas empêché les récolteurs de capturer la moitié de la colonie. C'est toujours mieux que la totalité. Depuis que les enlèvements ont commencé, nous n'étions jamais arrivés à un tel résultat. Les récolteurs seront sur leur garde désormais. Mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. D'après Ash, l'Alliance a été informée de mon implication avec Cerberus. C'était beau. J'ai peut-être laissé filtrer que vous étiez encore en vie, et rallié à Cerberus. Vous avez risqué la vie de mon équipage et d'une colonie entière dans le seul but d'appâter les récolteurs. Un risque calculé. Je soupçonnais les récolteurs d'être à votre recherche, ou de quiconque vous était lié. À présent, ça ne fait plus aucun doute. Je vous l'ai dit. Je refuse de rester sans réagir pendant que les récolteurs et les moissonneurs rassemblent leurs forces. D'ailleurs, ils auraient fini par attaquer une autre colonie. Et à défaut d'anticiper leur cible, le bilan aurait été bien plus lourd. Nous devons mettre un terme à ces enlèvements. C'est mon seul et unique objectif, Shepard.
C'est l'objet même de cette mission. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Oméga 4. Nous devons les frapper en plein cœur. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Le passé ne compte plus. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous ? Ça ne vous regarde pas. Si elles affectent la mission, mieux vaut les reléguer au passé. Shepard, dès que nous aurons trouvé le moyen de franchir le relais Oméga 4 jusque dans le territoire des récolteurs, rien ne garantit que vous y survivrez. Votre seul espoir pour vous et votre équipage, c'est d'être totalement dévoué à notre objectif. Ça, c'est mon affaire. Contentez-vous de nous dégoter un passage vers le monde des récolteurs. Je tiens seulement à jouer franc jeu. Vos hommes devront donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous ai transmis 3 autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant que je cherche un moyen d'emprunter le relais. Ne vous relâchez pas, Shepard. Les récolteurs seront aux aguets. Cette fois-ci, ça rigole plus. On va affronter les récolteurs pour de bon. Enfin, on va avoir un peu d'action. D'un autre côté, après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon, ça donne à réfléchir. Quelque chose vous tracasse? Non, c'est juste que... même si on réussit, on pourrait bien tous y passer. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir. J'imagine que c'est notre cas à tous, non ?